bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer avec moi une nouvelle aventure de couture. Alors, je voudrais déjà remercier tous ceux qui s'abonnent, qui me suivent et qui me laissent des vraiment gentils messages. Ça fait vraiment plaisir de voir que certaines personnes réalisent les portefeuilles, les sacs. Et j'ai le plaisir de voir certaines photos sur Insta. Alors, c'est parti. Maintenant, je vous propose de coudre un portefeuille grande capacité. Et je vous présente tout de suite tout ce qu'on va avoir besoin. Alors c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, je vais laisser tous les petits coupons hein, pour pas qu'on s'en mêle les pédales. Et en fait, ce que je vous conseille toujours, c'est toujours de préparer tout à l'avance, de bien repasser le tissu, de bien le découper. Comme ça, franchement, ça sera d'autant plus parfait ensuite. Voilà, c'est parti. Alors on commence par un bouton. On a besoin d'un fermoir. Moi, j'ai pris un bouton magnétique. Vous pouvez prendre un bouton pression, ce que vous voulez. Ensuite, un coupon 1,60 m sur 8 cm. 23 sur 12,5 cm. 21 sur 11 cm. Un coupon 48 sur 21 cm, un coupon. Voilà, cela c'est ce qu'on va utiliser tout de suite. Enfin, une fois qu'on a vu tout ça, bien sûr. Donc, une fermeture éclair de 16 cm. Une fermeture éclair de 18 cm. On les coupe, hein, si elles sont trop grandes. Hein. Les petites languettes qui vont avec la fermeture éclair, il y en a 4. Et 5 cm sur 3 cm. Deux coupons 13 sur 20 cm. Un coupon de 20 sur 8 cm. Et là, j'ai ajouté de l'entoilage H250. C'est partout le même entoilage. 18 sur 6 cm. Voilà, je ne l'ai pas encore collé. Quatre coupons de 15 sur 24 cm plus l'entoilage. 13 sur 22. Pareil, hein, c'est le même entoilage. Hein. Ensuite, un coupon 28 sur 24 cm. Deux coupons 28 sur 24 cm plus l'entoilage de fois 26 sur 22. Alors, l'autre coupon, je l'ai mis à part parce que c'est pour le compartiment fermeture éclair. Donc, je préférais les séparer, tout simplement. Parce que l'autre aussi faisait 28 sur 24. Et là, on a deux entoilages qui sont pas collés. Et pour finir, deux coupons 39 sur 24 cm plus l'entoilage 37 sur 22. Et comme je disais, c'est partout du H250. Enfin, environ en tout cas. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre l'entoilage si votre tissu est épais. Vous pouvez prendre aussi du H630 ou 640, comme vous voulez. Voilà, maintenant c'est parti pour la réalisation. Alors on va prendre le 23 sur 12,5, on le laisse juste de côté 2 minutes, ça va nous servir ça. Hein. Le 21 sur 11 aussi, on le met de côté. Là on a le 48 sur 21. Et le 1,60 m sur 8 cm. Là j'ai laissé comme d'habitude un petit peu plus de marge au cas où, d'accord? Je fais toujours, j'aime bien laisser quelques marges quand c'est ce genre de réalisation, vous verrez. On va toujours pouvoir le couper un petit peu. Si c'est trop long, ça, c'est pas très grave. Donc, on commence avec le 1,60 m sur 8 cm. Et après, on va prendre l'autre. Vous voyez, je vous montre juste, j'en ai cousu plusieurs ensemble. Hein. J'en avais pas d'une longueur, hein, donc j'en ai cousu 3. Voilà, maintenant, on va commencer à faire des repères. Donc, j'ai rapproché un peu la caméra. Ici, le premier repère à 3 cm du haut, là. Ensuite, on fait un repère de 1 cm. Ensuite, on fait un repère de 15 cm derrière. Ça va être tout au long comme ça. Hein. On se place derrière le dernier repère toujours. Hein.
Ensuite, 1 cm. On continue avec 15 cm et ainsi de suite. Je vous montre de plus près. Donc voilà, ici, entre les deux traits, ici, là, on a donc 15 cm à chaque fois. 1 cm, 15 cm, 1 cm, 15 cm, et ainsi de suite. Sauf en haut, on avait juste les 3 cm ici de marge en plus, là. Voilà, ça va être nos marges après, bien sûr, pour la couture. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le pliage. Ici, on a nos deux lignes. D'accord? Je vais vous montrer comment on plie maintenant. On prend celle-là, là. Vous voyez, on a les deux, là. Celle-là, on la plie comme ça. On plie un peu. On fait avec les doigts, d'abord. Après, on va passer un coup de fer à repasser, hein. Mais là, on va le faire avec les mains. Pour commencer. Et on va se positionner comme ça. On peut mettre une toute petite pince pour les maintenir en place ici. Voilà, ici on a notre prochaine, les deux. On plie comme ça sur la première ligne. Tout simplement. Voilà, là c'est facile, hein. Voilà, on la met par-dessus. Toujours, on aligne bien surtout, hein, d'accord? Parce que si on commence à partir de travers, après on va arriver en bas, ça sera complètement de travers. Maintenant, on va passer un coup de fer à repasser. Ensuite, on va faire une petite couture comme ça sur les deux côtés. Et maintenant, une petite couture ici et ici. Et là, on veille à ce que d'aller jusqu'en bas, jusque là. Hein, on dépasse. On se met sur le bord, hein, on fait au mieux. L'essentiel, c'est que tout soit pris dans la couture. Hein. Le coupon 23 cm sur 12,5 et là on va mesurer 23 cm, c'est comme ça, hein, d'accord, là c'est le bas, le tissu en plus qui nous restait, donc faut que ce soit la même longueur que celui là d'accord, donc là on peut couper, voilà, donc ça c'est ce qui reste. Vous voyez, c'est mieux d'avoir quand même un petit peu de, parce que si vous faites ici les 1 cm, ça se décale légèrement. Voilà, mais bah, pour moi, je le garde ça, de toute façon, pour le patchwork, les petits bouts. Maintenant, on va faire ça, endroit sur endroit. On va faire une couture ici, sur le bord. À la largeur pied de biche, c'est parfait. Ça, c'est cousu. On replie comme ça par-dessus. Mettez des épingles ou des petites pinces, hein, ça évite que ça bouge là ensuite. Et là, ça va être comme ça. On va bien repasser. Et on le met comme ça par-dessus. On rabat par-dessus, comme ceci. Une carte pour faire un test quand même, hein,
D'accord? Faut qu'elle rentre, hein? Faut pas que ce soit trop serré sur les côtés. Donc, on teste. On va faire les petits ourlets en haut. Donc là, c'est comme ça. Ici, en haut, on a notre premier compartiment. On laisse 1 cm là. Donc, on peut faire un petit repère si on veut. Donc là, je plie ici sur les 1 cm. Et comme ceci. Vous voyez là, on a notre petit ourlet. Hop, on va mettre 2 petites pinces là. Tac. Là, on peut l'enlever. On va faire en bas également. Voilà, il fera 18 cm en tout ici. Donc on peut faire un repère à 18 cm. Voilà, donc ici on a 18 cm. Et ensuite, on fait notre ourlet en bas. Comme l'autre côté, pareil. Et on replie par-dessus comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire une couture juste là, sur le bord, celui qu'on a rabattu. Uniquement sur cette longueur. Et là, on peut laisser ben, 5 mm de marge, tout simplement. Ça, c'est cousu, donc c'était là uniquement, hein. Là, je laisse les petites pinces pour maintenir bien l'ourlet en place. Maintenant, on récupère un coupon 39 sur 24 cm plus un entoilage. Et là, on récupère celui qu'on veut comme doublure. Là, je vais coller l'entoilage bien au milieu. Maintenant, on fait un repère ici à 2 cm du bord et au milieu, c'est pour placer notre compartiment CB. On prend notre compartiment CB. On n'a pas cousu donc là, là et là, ça a été cousu devant. Donc là où ça a été cousu, on le met comme ça. Voilà, et maintenant on va coudre comme ça et comme ça hein, sur le bord, on fait au mieux. Voilà, ça nous fait ici donc tous les compartiments CB et une poche en plus là. On prend le coupon 48 sur 21 cm. Maintenant, on va faire des repères. Donc déjà en haut ici, un repère à 2 cm. Ensuite, 9 cm. On se place juste derrière les 2 cm. Un centimètre ensuite. Maintenant, on fait comme pour l'autre. Je refais 9 cm, hein. Il va m'en manquer un là. On passe à beaucoup de fer à repasser. Et maintenant, on va faire juste une petite couture ici et là pour bien les maintenir ensemble. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on récupère le coupon de 21 sur 11 cm et on le met comme ça dessus, endroit sur endroit.
On va laisser une ouverture ici, il faudra le retourner. Maintenant, on va faire une couture comme ça. Là, on laisse ouvert, ça sera pour le retourner. Et on coud largeur pied de biche, c'est parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, on va couper juste un petit peu les angles et puis le mettre à l'endroit. On récupère le coupon, celui-ci, où on a mis les premiers CB. Et on va faire un repère ici en bas à 16 cm. On fait un repère également au milieu. On prend celui-ci et on fait un repère au milieu également. Et maintenant, on va le mettre comme ça, là. Juste sur notre ligne ici. Et on va faire une couture comme ceci. Et au milieu. Et là, on coud juste sur les bords. Hein. Voilà, celui-là est prêt. Voilà, maintenant, eh ben, on continue. On récupère le coupon 39 sur 24 cm, le dernier. Là, on va déjà coller l'entoilage, comme ça, bien au milieu. Voilà, ça c'est collé. Maintenant, je vais prendre deux petits coupons de renfort. Ce que je vais faire, je vais quand même définir le milieu. Et 2 cm du haut, ça va être là où on va mettre, placer le bouton. Maintenant, on place notre bouton. Et là, on plie les dents toujours vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Vers l'extérieur, ça risque de bouger. Ça, c'est fait. Pour placer le deuxième, on le fera en dernier, puisqu'on pourra comme ça définir où on le place exactement. Surtout qu'on ne connaît pas toute l'épaisseur du tissu. Alors, on reprend celui-ci. Et l'autre, bien sûr, qui va avec. Le bouton, il est en haut. Et on le met comme ceci, endroit sur endroit. Et on va l'épingler. Ici, on va laisser ouvert pour le retourner. Et on va faire une couture comme ça. Jusque là, à 1 cm. On laisse 1 cm de marge. Voilà, c'est cousu, on le retourne, on peut couper un peu les angles. On va passer un bon coup de fer à repasser. Ensuite, on passe une couture ici et une couture en haut, sur le bord, hein, on fait au mieux. Cette partie est finie. Maintenant, on continue avec la partie où il y aura les fermetures éclairs. On récupère la fermeture éclair qui doit faire 16 cm. On la coupe, hein. De toute façon, si elle est trop grande, la mienne, elle est trop grande. Et les 4 petites languettes. On va mettre les languettes comme ça, endroit sur endroit. Comme ceci. On met bien la fermeture éclair. Je vais faire un repère à 1 cm, c'est là où je vais coudre ici sur le bord. Comme ça, je peux bien mesurer ma fermeture éclair. Voilà, comme ça, je sais que je vais coudre là et à partir de là, de l'autre côté, il faut que ça aille jusqu'à 16 cm. Alors, pour maintenir la fermeture éclair ici ensemble, on peut mettre un petit bout de double face ou simplement une petite épingle, hein, comme on veut. Utilise du double face sur toute la longueur pour coudre ensuite les fermetures éclair, mais je l'avais déjà expliqué, moi je déconseille vivement puisque l'aiguille reste quand même relativement accrochée et il faut savoir que ça fait sauter des points. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus juste. On sait qu'au milieu des deux coutures ici on a 16 cm,
Maintenant, on va coudre les deux petites languettes vite fait. Alors maintenant, on coupe tout ce qui dépasse et on va passer un petit coup de fer à repasser. On coupe la fermeture éclair, bien sûr. Hein. Ça, c'est cousu. On récupère les deux coupons 13 sur 20 cm. On récupère deux coupons de 15 sur 24 avec deux entoilages. On prend tissu extérieur et tissu intérieur. Moi, j'ai fait les deux. Donc voilà, je vais faire comme ça. Ça peut être le même tissu, hein, ça, c'est comme vous voulez, selon les couleurs que vous avez choisies. Et maintenant, on va déjà coller l'entoilage dans celui-ci. Voilà, c'est collé. Maintenant, on va faire des repères au milieu. Et maintenant, on va prendre un coupon du tissu extérieur hein, et on va le mettre comme ça. Je vais mettre ma fermeture éclair de ce côté-là. Comme ça, endroit sur endroit. On le positionne bien au milieu. Voilà, donc fermeture curseur vers le bas, c'est endroit vers sur endroit. On prend une doublure. Ça, c'est ça fait office de doublure, même si j'ai pas pris de doublure, j'allais dire. Et on va la mettre comme ça, endroit sur endroit par-dessus, bien au milieu. Vous voyez, elle est plus petite, hein, donc on met bien au milieu. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé, on va faire une couture ici comme ça avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, c'est comme ça. Une fois que c'est cousu, on ouvre comme ça. On abaisse bien ici. On peut passer un petit coup de fer à repasser, bien sûr, c'est toujours mieux. Là aussi. Et on va passer une petite couture ici, comme ça, sur le bord, une toute petite. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va prendre celui-ci, on le met comme ça, endroit sur endroit. Et on met celui-ci comme ça, endroit sur endroit. On le met bien au milieu également. Une fois qu'on a bien cousu ici, on fait comme tout à l'heure. On l'ouvre comme ça. On prend là le deuxième, comme ceci. Et on fait une petite couture comme ça tout le long sur le bord. Alors une fois qu'on a cousu ça, donc on prend les deux ici, la doublure de notre fermeture éclair, de notre pochette, on fait ça, on plie bien comme ça, on les met bien l'un sur l'autre, et on va coudre tout simplement tout le long. On va faire une couture comme ça tout autour pour fermer notre poche. Et là, on fait comme ça. Comme ceci. D'accord? Sur les côtés. Alors moi, je vous conseille de faire ça en trois étapes. D'abord là, ici et après là. Voilà, ça c'est cousu. D'accord, on a juste cousu tout autour et comme ça, voilà, ça nous fait en haut notre poche, ici. Alors ça, on va le mettre juste quelques minutes de côté. On va faire l'autre partie qui va aller avec ça, justement. Donc ça, ça sera le côté pour moi
extérieur, et ça sera côté doublure. Mais vous inquiétez pas, je vous le redirai, hein. Voilà, on récupère les deux derniers coupons 15 sur 24, plus les deux derniers en toilage. La fermeture éclair qui doit faire 18 cm. Hein. On la coupera après, ça c'est pas très grave. Et on récupère le coupon 28 sur 24, celui qui était tout seul sans entoilage. On colle déjà ici l'entoilage sur ces deux-là. Voilà, c'est collé. Alors maintenant, on va prendre celui qu'on veut extérieur, en tissu extérieur. Donc, l'autre, ça sera ma doublure. On prend ce coupon, celui-ci. On va le mettre de ce côté-là. Et on va dessiner notre emplacement pour la fermeture éclair. Je vais vous montrer tout de suite le croquis. Maintenant, on va prendre le coupon donc de tissu extérieur et celui-ci, on les met endroit sur endroit. On les aligne bien là. Maintenant, on va faire notre couture comme ça, sur notre rectangle tout autour, comme ça, hop. Et là, on ferme notre rectangle. Maintenant, on coupe ici comme ça, là, là et là. Faites attention bien sûr de ne pas couper les angles, hein, de ne pas couper le fil qui est comme ça cousu ici sur les angles. Maintenant, on passe le tissu à l'intérieur ici de notre trou. On le fait sortir de l'autre côté. On appuie bien ici, hein, on ouvre bien les coutures. Et on passe déjà un bon coup de fer à repasser là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est repassé. Maintenant, on va mettre la fermeture éclair. Et là, je vais utiliser simplement un tout petit peu de double face ici, comme tout à l'heure sur le bout. Alors maintenant, ça va être positionné comme ça. Bien au milieu. Vous prenez des épingles, hein, si vous n'avez pas de double face. Hein. On retourne maintenant. On soulève celui-ci, comme ceci. Comme ça, on va cacher le bord de la fermeture éclair. On va juste faire une petite couture sur le bord en bas uniquement. Voilà, c'est cousu là. On prend celui-ci et maintenant, on le bascule ici comme ça sur le bord. Comme ça là, sur le bord de notre fermeture éclair. Et on termine la couture. Comme ça, et on redescend. On fait les côtés avec, hein, c'est pour ça, on fait ça comme ça, hop. Voilà, c'est cousu. Donc là, on a une jolie poche. Vous voyez, à l'intérieur, c'est vraiment beau. Comme ça, on voit plus la fermeture éclair. Maintenant, on continue. Celui-ci, il va avec. Hein. On le met de côté, on le reprend après. On va déjà faire notre petite languette ici, pour le fermoir. Donc c'est celui qui fait 20 sur 8 cm, hein, avec le petit coupon d'entoilage. Alors, ce que je conseille, c'est de ne pas le coudre en haut, puisque quand on va mettre le bouton comme ça qui reste, on pourra facilement l'ajuster.
Je pense que ça, c'est mieux. Et puis, on fera en haut après. Il suffira de plier et de faire une petite couture. Il faut bien le positionner. Et vu la taille, l'épaisseur du portefeuille, il faudra le mettre plus ou moins haut. On colle l'entoilage, de toute façon, déjà. On le plie comme ça, endroit sur endroit. Et on fait juste deux coutures comme ça sur les côtés. Et là, on peut laisser 1 cm ou largeur pied de biche, peu importe. Une fois qu'on a fait ça, on peut couper un peu les angles et les mettre à l'endroit. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est ici comme ça, 1 cm à l'intérieur et déjà repasser le bord. Voilà. Là, on se met bien sur le bord et on fait deux petites coutures comme ça sur le bord. Voilà, c'est cousu. Donc voilà, là c'est ouvert. Hein. On récupère le coupon avec la fermeture éclair et la languette. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà la coudre sur le bord. Donc là, on définit bien le milieu. La languette, donc l'ouverture est en haut. Hein. On la met comme ça, on laisse l'ouverture en haut. Voilà, on va faire juste une petite couture là hein, pour la maintenir en place, la petite languette. Voilà, la petite couture est faite. Hein. C'était juste pour la maintenir. Hein. J'ai évité, bien sûr, de prendre la poche derrière avec. Hein. On récupère celui avec la fermeture éclair en haut et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. On fait ça et on pousse ici. Là aussi, pareil, comme ça. Maintenant, on va faire une couture en bas uniquement et on laisse 1 cm de marge. J'ouvre pour vous montrer. Là, c'est comme ça. D'accord ? Ici, on a la fermeture éclair et ici aussi. On n'oublie pas, hein, 1 cm de marge. Là, c'est important sur cette couture-là. Maintenant, on peut simplement passer un petit coup de fer à repasser pour ouvrir la couture. Voilà, ça c'est cousu ici. Donc j'ai passé un coup de fer à repasser pour bien l'aplatir. Maintenant, on le tourne, on prend ce côté-là. Et on prend celui-ci. Et on le met comme ça, endroit sur endroit, ici, à l'autre bout. Et voilà, ici. Et pareil, 1 cm de marge. Maintenant, on fait comme l'autre, on ouvre un peu la couture, d'accord? On passe un petit coup de fer à repasser. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, on va les mettre comme ça l'un sur l'autre. Mais avant, vous voyez ici, je vais découper juste ici un petit peu pour pas que ça me gêne après pour faire mon petit ourlet quand je vais plier le tissu. D'accord? Pour laisser l'ouverture en fait. Donc là, on va laisser une ouverture. Alors cette poche-là va être prise dans la couture sur les côtés, mais celle-ci, elle va pas être prise dans les coutures sur le côté. Hein. Donc on a ici, vous voyez, on a les petites languettes. Je préfère vous montrer comme ça. Et là, on fait comme ça. Hein. Bien, voilà, comme ceci. On les prend bien, bien ensemble. On aplatit bien. Et on met des petites pinces ou des épingles. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé, qu'on a bien vérifié que tout s'aligne parfaitement, parce que c'est de ça que va dépendre après le résultat aussi de notre porte-monnaie. Donc maintenant, on fait une couture comme ça ici jusque-là et une autre couture ici. On laisse ici ouvert, c'est pour le retourner. On laisse 1 cm de marge et on essaie de bien garder les marges, donc on coud tout doucement. Maintenant, on va le mettre à l'endroit, on coupe juste un tout petit peu les angles. Une fois que c'est retourné, on va passer un bon coup de fer à repasser
et on va faire une couture ici. Voilà, ça c'est fait, donc la couture ici en bas. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va le mesurer tout simplement. D'accord, puisque la longueur peut varier de quelques millimètres, ça dépend comment qu'on a cousu la fermeture éclair. On peut toujours se décaler d'un petit millimètre ou pas. Donc c'est pour ça qu'on va le mesurer pour faire le prochain. Il faut qu'il ait exactement la même longueur. Donc là, en principe, on a entre 26 ou 27 cm environ, ça doit être. Hein. Voilà, j'ai 27 cm moi. Donc je vais noter. Les deux derniers qui nous restent, 28 sur 24 cm plus l'entoilage 26 sur 22. Et là, on va déjà commencer par coller simplement l'entoilage. Hein. Voilà, ça c'est collé. Et maintenant, on va définir ici 27 cm la longueur, comme l'autre. Voilà, on va les mettre endroit sur endroit, comme ceci. Alors, sur les côtés, on laisse 1 cm de marge, ici, normal. Et là, on coud sur notre repère. Des deux côtés, on a 1 cm de marge. Et là, ben, on laisse nos 5 mm pour que ce soit aussi long que l'autre. Maintenant, c'est parti pour la couture. On fait comme ça, tout autour. Et là, on laisse ouvert pour le retourner. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on coupe un tout petit peu les angles et on le met à l'endroit. Voilà, il est retourné. Avant de le repasser et de le coudre, on peut prendre l'autre pour voir. Voilà, ils vont parfaitement l'un sur l'autre. D'accord, ça c'est super important. Maintenant, un coup de fer à repasser, une couture ici sur le bord et une autre aussi de l'autre côté. Et voilà, ça c'est cousu, bien repassé. Maintenant, on va faire des repères. Ici, sur les deux côtés, 2 cm. Et on va faire ici au milieu, pareil, la même chose. Pour ça, on définit déjà bien le milieu. Donc, et là, on va faire un repère ici d'un côté à 2 cm et de l'autre côté, pareil, à 2 cm. Voilà, c'est simple, on doit avoir ça. Donc là, il y a 2 cm, 2, 2 et 2. Maintenant, on récupère le premier coupon qu'on a fait et on va faire ça. On va les mettre endroit sur endroit comme ceci. Comme ça. Là, on a le bouton. Hop. Et maintenant, on va faire une couture ici, comme ça. D'accord, là on a le milieu juste derrière. Voilà, ça c'est cousu ici. Donc on fait ça, là on a bien le milieu comme ça. On va tourner. On replie comme ça par-dessus. D'accord? Comme ça, hop. Et là on aligne bien. En bas, il faut que ce soit bien aligné en haut. Voilà, on plie là. On plie là pour pas que ça nous gêne pour la couture. Hein. Celui-ci, on le plie aussi. Maintenant, on fait deux petites coutures ici sur le bord. On fait au mieux, hein, là et là, juste sur le bord. Juste là, les deux.
Voilà, c'est cousu. Donc là et là. Et là, on a encore ça. Hein? D'accord? C'est cousu là, sur les deux côtés. Maintenant, on récupère notre dernier coupon. La fermeture éclair, ici, elle est là en bas. D'accord? Ici, on a celle-là. Là, on a le compartiment carte bleue. On tourne comme ça. D'accord? Là, ça fait ça. On prend celui-ci et on le met dessus comme ceci. C'est pour ça que la fermeture éclair, on a laissé plus de marge sur les côtés pour pouvoir coudre aussi ce compartiment-là et tout en ayant quand même encore un compartiment en plus avec fermeture éclair. Voilà, et c'est parti pour la couture, comme ça. Voilà, ça c'est cousu, donc celui-ci, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait laissé ici sur les côtés les marges, hein. Et maintenant, ben, on plie comme ça, et là j'ai mon petit, ma petite languette qui est trop courte en fait, je me suis aperçue, et je vais rajouter un petit bout en haut, et je vais rajouter un de cette couleur-là, je vous montrerai, donc n'hésitez pas à rajouter 4 cm à la languette, hein, parce qu'il faut laisser ici quand même un petit peu de marge quand on ferme après, notre portefeuille. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, ben c'est simple. Donc, on replie comme ça par-dessus. Là, on va coudre c'est comme ça, ces deux-là ensemble. Sur le bord, ici. Voilà. Celui-ci. Là, c'est important de bien mettre droit, hein? D'accord? On va faire l'autre côté pareil. Donc, une couture ici, une couture là, ensuite, une couture ici. Et une couture là. Et là, je vais voir pour la petite languette. Donc, je vais rajouter un petit bout comme ça. Je vais la coudre directement dessus. Je vais mettre... ...6 cm. Alors, avant de mettre ce bouton là, ce que je vais faire là, je vais faire un arrondi là, comme ça. Je vais coller un petit coupon d'entoilage. Hein. Voilà, maintenant, on va coudre tout ça. Donc, il y a là, l'autre, les deux. Et si vous avez la languette, vous voulez la faire comment en deux étapes, voilà, faites-la. Sinon, comme je disais, rajoutez tout simplement 4 cm en haut, voire 5. Alors, lorsqu'il faut coudre ici au milieu, on n'hésite pas à pousser comme ça, hein. On appuie ici et l'autre de l'autre côté et on passe la couture là. Alors maintenant, je vais cranter et je vais la mettre à l'endroit. Et maintenant, je vais faire une petite couture tout autour, juste sur le bord. Tout ça, c'est cousu. Je vous montre, hein. Voilà, il y avait les soufflets comme ça à coudre. Et voilà la petite languette que je vais mettre à l'intérieur, comme ça. Donc, là, je vais mettre le bouton simplement au bout, tout au bout. Je vais mettre le disque. Bon, j'arrive bien à le mettre comme ça à l'intérieur, hein. C'est pas difficile, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué, là. Il y a juste un petit disque à mettre. On peut le plier un peu comme ça. Alors, si vous avez un bouton pression, bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Hein. Là, on avait notre petit ourlet. Et maintenant, je vais glisser comme ça dedans.
On va bien la mettre au milieu, hein. C'est joli carrément comme ça maintenant finalement, hein. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut penser que dans notre porte-monnaie, on va avoir du volume puisqu'on va mettre des papiers, de l'argent. Et là, donc, on fait comme ça. Alors, le mieux, c'est de mettre aussi une carte dedans, d'accord? Parce qu'on va plier là et il faut que les cartes, elles rentrent quand même correctement. Voilà, donc on fait ça. Et voilà, là, j'ai mes cartes. C'est parfait comme ça. Voilà, là, je sens ma carte ici. Faut que ce soit bien droit. D'accord? Voilà, là, c'est très bien, là. Vous voyez? On a environ ici 1,5 cm ici et pareil de l'autre côté. Voilà, c'est joli, hein, comme ça. Et maintenant, on fait une petite couture ici, comme ça, sur le bord. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, vous avez pu constater, il y a quand même pas mal d'étapes, mais c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Et franchement, il y a pas mal de compartiments. Vous verrez ça tout de suite. Donc, il fait 22 cm sur 14 cm et 2 cm de profondeur, donc il est vraiment grand, c'est un grand format. Alors pour commencer, on a ici la première poche fermeture éclair. Voilà. Super, on peut mettre des papiers, des billets, tout ce qu'on veut. Ensuite ici, on a quand même une belle grande poche. Ensuite là, on a notre deuxième compartiment avec fermeture éclair. Voilà, ici, juste derrière notre compartiment fermeture éclair, on en a un autre là, pas mal, hein. Ici encore, et c'est pas fini, hein. Là, ici, tous les compartiments pour les cartes, là encore deux compartiments, et ici aussi un compartiment. N'hésitez pas à le réaliser, vous pouvez le garder pour vous ou l'offrir. Donc c'est pour ceux qui ont besoin de beaucoup de place. Vous pouvez même dedans y mettre le portable, je vous montre, voilà, ici. Hop, il va facilement dedans, hein. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, hein. Vous pouvez être papier, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que vraiment, il y a beaucoup de place et il y a de quoi faire. On peut même mettre ses clés à l'intérieur. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos gentils messages qui me vont droit au cœur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous. Bisous bisous, à bientôt.